En fait, cet astuce sera utile pour vous, surtout si vous avez un PC, car on sait jamais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà, tout d'abord, je dédie ces vidéos à tous les finalistes, en particulier mes collabos qui sont là, Tony Monkey et Davina aussi qui est Bladette, donc je vous kiffe. Alors, pour le faire, c'est pas si compliqué. Rendez-vous dans votre explorateur de fichiers. En arrivant ici, nous avons trois partitions, mon disque principal, disque 1 ainsi que l'autre disque. On va faire, mais sans perdre les fichiers qui sont à l'intérieur. Si nous ouvrons ici, vous voyez, il y a des fichiers. En regardant, il y a encore des fichiers. Alors, l'objectif est de supprimer les deux sans pourtant perdre nos fichiers. Pour le faire, il faut cliquer sur clic droit dans votre PC. Et puis, vous cliquez sur gérer. Voilà, dans cette interface. Ou soit, vous pouvez le faire directement ici. Si vous êtes sur Windows 10, vous cliquez directement sur gérer. En arrivant ici, vous allez cliquer sur gestion des disques. Gestion des disques, voilà. Comme vous le voyez, je dois ranger P tout ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Première partition est là, disque E. C'est aussi ici, à gauche, à droite plutôt, disque E. Clic droit, modifier les chemins. Ici, nous avons trois parties, ajouter, modifier ainsi que supprimer. Nous, on va cliquer sur supprimer. N'ayez pas peur, validez seulement si oui. Et automatiquement, le disque a été disparu. C'est presque pareil. Clic droit dans l'autre disque. Modifier le chemin. Supprimer. Oui. Et vous validez encore. N'ayez pas peur. Oui encore. Automatiquement. Vraiment simple. Il faut cliquer à nouveau sur gérer. Je dois modifier encore. Pour que vous puissiez bien voir, gestion des disques, clic droit dans le lecteur. Là, nous devons afficher, clic droit, modifier les schémas. Maintenant, ici, on va cliquer sur ajouter. Ajouter, ici, je vous laisse faire le choix du lecteur, mais je vous conseille de laisser par défaut et vous validez si OK. Voilà. C'est presque pareil avec l'autre lecteur, chemin, modifier, voilà, ajouter, et par défaut, je valide. Voilà, le tour est joué. Si cette vidéo a été vraiment utile pour vous, ou si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, like, pourquoi pas partager. Et dis-moi merci dans les commentaires si vous avez appris quelque chose. Donc. Voilà, on vérifie à nouveau. Nos deux lecteurs sont toujours là avec nos fichiers à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, abonne-toi, partagez et dis-nous dans les commentaires un petit merci. Bye bye.